Bonjour, je suis Denis Dupont et je m'égare souvent avec des listes dans les archives de l'Indépendant. Suivez-moi, les surprises ne manquent pas, la preuve par le son. Nous sommes en septembre 1966. Pour la rentrée des classes, des gadgets vont faire le bonheur des écoliers et des écolières qui se pareront de blouses, de blousons, vraiment au goût du jour. C'était l'époque de la rentrée. D'ailleurs, l'article commence ainsi. La rentrée des classes est pour bientôt. Après des vacances heureuses, nous nous sommes rendus aux Dames de France, le grand magasin perpignanais, pour nous renseigner sur les nouveautés 1966. Au rayon papeterie, nous avons admiré les cahiers de classe, avec couverture en couleur, représentant notamment des circuits automobiles Monaco, Silverstone, et des cahiers avec une couverture en vernis glacé de damier noir et blanc. Il y a aussi des tailles-crayons ultra modernes, avec calendrier perpétuel, avec des petits tacos 1900, jeux de 421, boussole, transistor, avec antenne double usage, pour les petits et les gros crayons, et des gommes représentant des animaux, une tête de chinois, des gommes tout en plastique, transparent, ne laissant pas de traces, des crayons en plastique de couleur, tout mine, des crayons indiens avec des sujets en bout et flèches, des fourre-tours en plastique pour des crayons et gommes avec des nouveaux sujets, drapeaux autour de tout modèle, et même des Beatles. L'on vend aussi des plumiers ayant à l'intérieur l'emploi du temps et pour les tout petits, des tables de multiplication. Il y a aussi des stylos tout chromés à 4 couleurs, le gros stylo 13 couleurs, les stylos en feutre bicolore rouge et bleu et rouge et noir, les stylos feutres qui se rechargent. Autre innovation, le stylo bille lumineux, rechargeable à 18 francs, dont la pointe s'allume en plaçant le capuchon. La grande trousse dessin pour les écoles techniques, avec étui en sky, ne coûte que 18 francs, et le squelette pour leçon de science comprend des pièces détachables. Avis aux futurs médecins. Pour les fillettes, le cartable en vernis glacé en couleur pastel, rose, bleu, blanc, caramel, vaut de 12 à 16 francs 50. Une nouveauté pour les lycéennes, le cartable en tapisserie de différentes formes et le fourre-tout assorti. Au nombre d'articles au rayon papeterie donneront satisfaction aux écoliers et à leurs parents. Dans le rayon confection pour enfants, nous avons particulièrement remarqué un tablier en nylon pour garçonnets, Coupe du Monde. Nous avons vu aussi un blouson club en nylon avec étoile de shérif, toute taille pour garçons. Autre nouveauté, le blouson Far West avec épaules renforcées en plastique et boutons dorés, évidemment pour garçonnets. Pour les fillettes, une blouse en nylon avec col Claudine et cravate rouge modèle Viva Maria, qui doit connaître un beau succès. Il en est même pour la blouse en nylon écossais à fermeture métallique, modèle Schuit à col et manche unie, dont les prix varient entre 14,50 et 24 francs. La blouse en nylon à petit pois blanc sur fond opaline, modèle Courrèges, est également disponible. Voilà les modèles qui vont faire des heureux et des heureuses. Nous sommes rendus également à la librairie Papeterie Brun, rue des Augustins, la plus ancienne firme perpignanaise spécialisée dans les livres et fournitures scolaires. On sait qu'il y a eu des changements dans les classes de seconde, première et terminale, qu'il n'y a plus de section B. Ceci a amené des changements d'ouvrage en ce qui concerne notamment les mathématiques et les sciences physiques. Quelques nouveautés en espagnol, mais aussi en allemand. Et les cours d'allemand de Kuhn et Guy Isnar, ça rappellera certainement des souvenirs, et d'une présentation agréable, ainsi que la nouvelle collection d'Isère et de Gay. En français, les études littéraires de Castex et Surer se sont transformées. L'habituelle couverture brique est remplacée par une beaucoup plus moderne, une jaquette blanche fort saillante. Pour l'histoire, l'Isaac a troqué sa couverture verte classique pour un format plus moderne et blanc. Sous le signe de la modernisation, toutes les grandes marques de stylos, et spécialement Waterman, Parker, Pélican, présentent des stylos solides pour les écoliers et les étudiants dont les prix varient entre 13 et 15 francs. Les modèles à cartouches connaissent déjà la grande vogue. Pour les besoins scolaires, la pointe bille a sa place définitivement marquée. Ah, dernière nouveauté, des feuilles mobiles en plusieurs couleurs et formats. Sans supplanter les classiques cahiers, ces feuilles viendront compléter et moderniser l'équipement de l'écolier 1966. Ainsi, cette rentrée des classes s'annonce-t-elle sous d'heureux auspices.
C'était Je vous parle d'un temps, un podcast proposé par Denis Dupont et produit par l'Indépendant, à retrouver régulièrement au même endroit.